Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette première vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires en étant dans un Choppa. Alors qu'est-ce que c'est un Choppa? C'est tout simplement les nouveaux hélicoptères sur Fortnite. Pour réaliser ce défi, vous serez obligé d'aller en solo duo squad parce que tout simplement en foire d'empoigne, il n'y a pas d'hélicoptère. Alors moi ce que j'ai fait, comme j'étais tout seul, mais à mon avis vous serez plusieurs, donc je vous conseille fortement de faire ce défi à plusieurs, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, j'étais tout seul, donc j'ai été directement vers un hélico et je vous affiche bien sûr une map avec tous les emplacements des hélicoptères, comme ça bah, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tout seul, donc j'ai pris mon hélicoptère, j'ai pris bien sûr des armes avant de monter dedans, j'ai regardé à gauche, à droite s'il n'y avait personne, après j'ai vu une personne sur la droite. Donc je suis monté dans l'hélicoptère directement, j'ai monté un peu en hauteur. Après j'ai appuyé sur R3 pour changer de place. Donc voilà, j'ai changé de place jusqu'à temps que je sois bien positionné de son côté. Et là j'ai tiré dessus pour le tuer. Alors logiquement, vous allez devoir faire 200 points de dégâts à un joueur. Donc si vous tuez deux personnes, normalement vous aurez terminé le défi. Ou alors une seule personne mais qui est full vie, avec full shield. Par contre le problème c'est que quand tu es tout seul, ben, tu dois changer de place et c'est pas pratique parce que l'hélicoptère retombe directement. Mais je me suis posé une question, parce que si je suis dans l'hélicoptère et que l'hélicoptère il est à terre, je suis quand même dans un Choppa, donc logiquement il y a moyen que ça fonctionne. Donc si vous trouvez un hélicoptère, vous pouvez peut-être même rester à terre, rentrer dans l'hélicoptère, tirer sur les ennemis qui sont autour de l'hélicoptère si par exemple il y a du monde, et puis boum, logiquement ça devrait fonctionner et valider votre défi. Après je n'ai pas essayé parce que ben, je fais la vidéo en avance avant que le défi sorte. Donc c'est à vous d'essayer, si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, si quelqu'un se pose la question, bah, il verra dans les commentaires que ça fonctionne, même si l'hélicoptère, il est à terre. Donc ça peut être utile. Enfin bref, je pense que je vous ai expliqué toutes mes petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.